Salut! Je suis là pour vous parler encore des blocages. Comment savoir que je suis bloquée? Un autre signe de blocage, ton argent ne reste jamais dans ta main. Quand tu comptes, tu vois que le mois-ci, j'ai reçu 2000 euros. Je ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent là. Tu ne peux pas dire que j'ai acheté un terrain, qu'il peut voir le terrain là. Tu ne peux pas dire que j'ai pris, j'ai mis tel enfant à l'école. Tu ne peux pas voir ce que tu as fait avec ton argent. Mais il y a eu l'argent dans ta main. Parce que quand l'argent est tombé dans ta main, telle maladie, c'est parti sur la maladie. Quand l'argent est tombé dans ta main, la voiture s'est gâtée. Quand l'argent est tombé dans ta main, observez votre vie. Vous allez voir que 99,9%, vous avez les blocages. Ok? Dès que tu touches l'argent, ça n'a pas fait. Bon, ok. Dès que tu touches l'argent, la toiture se baisse. Il faut arranger. Tu touches l'argent, ta belle-mère est malade. Il y a le deuil. Il faut que tu assistes ta soeur. Posez-vous les questions. Réfléchissez. Ok? Vous devez vous-même vous diagnostiquer. Diagnostiquer les gens de votre famille. Tu as raison, ça. Tu vois que tel de mes frères là, non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Celle-ci, il y a quelque chose. Même moi-même là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu vois déjà qu'il y a le problème quelque part, ça veut dire que la solution est disponible pour toi.